الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبارك لي فيما أعطيت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mes sœurs et frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'opportunité de ce mois de Ramadan de vivre ces instants précieux de ce Shahr Mubarak, de ce mois plein de baraka. Nous constatons en effet que durant ce mois il y a une baraka particulière, une facilité qui nous est accordée de la part d'Allah Azza wa Jal à garder nos jeûnes par rapport aux jeûnes des autres jours de l'année. Allah Azza wa Jal qui nous accorde cette baraka dans notre ferveur à accomplir des bonnes actions. Et ce mois est béni également et il est plein de baraka dans ce sens où Allah nous accorde une plus grande aptitude, une plus grande force en nous de nous retenir de commettre le mal. Et ça, c'est la baraka de ce mois de Ramadan. Alors la baraka, c'est un mot qu'on entend avec ses différentes prononciations, barakat, baraka, etc. D'ailleurs, on le prononce peut-être inshallah chaque jour lorsqu'on va manger et qu'on dit bismillahi wa barakatillah, et dans d'autres formules qu'on a l'habitude de prononcer quotidiennement. Et on entend aussi parler de baraka souvent pour dire qu'il n'y a pas de baraka justement. Et c'est ainsi qu'on entend les gens dire « il n'y a pas de baraka dans le temps, il n'y a plus de barakat dans le temps, il n'y a plus de barakat dans les biens, dans la richesse, dans l'argent. Il n'y a plus de baraka tout simplement. » Alors qu'est-ce que la baraka? Lorsqu'on regarde un dictionnaire, on peut trouver cette définition que avoir la baraka, c'est avoir de la chance. Alors on dira tout simplement que la baraka, ce n'est pas de la chance. La baraka, ce n'est pas la chance. La baraka, c'est un cadeau divin. La baraka, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Al-barakatu hiya ziyadatun fil qalil. La baraka, c'est lorsqu'il y a peu et que ce peu, il devient beaucoup et abondance et augmentation de la part d'Allah Azza wa Jal. وَسِعَ فِي الضَّيْقِ. La baraka, c'est lorsque l'étroitesse se transforme en largesse. وَهِيَ كَثْرَةٌ وَوَفْرَةٌ وَنَمَا. La baraka, c'est l'abondance, c'est la profusion, c'est l'opulence. C'est كَثْرَةٌ فِي كُلِّ خَيْرٍ. C'est le bien dans chaque chose. C'est pourquoi on traduit la baraka par la bénédiction. Lorsqu'il y a baraka, on dit qu'il y a bénédiction dans un
élément qu'Allah Azza wa Jal il nous a accordé. Et cette baraka, en réalité, elle est directement liée à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on lit le Coran, on dit « Tabarakalladhi biyadihi al-mulk » « Béni soit celui entre la main de qui se trouve la royauté ». On dit « Tabarakasmu rabbik » On lit dans le Coran « Tabarakasmu rabbik » « Béni soit le nom de ton Seigneur ». Allah, lui, est béni et son nom est béni, plein de baraka. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il peut placer cette baraka dans les différents éléments de la création. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, il place, lorsqu'il le veut, la baraka dans le temps. Et ce temps devient un temps béni. Il place la baraka dans une maison. Et cette maison devient une maison bénie. Il place cette baraka dans une richesse, et cette richesse devient une richesse bénie. Il place la baraka dans une eau. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Il place de la baraka dans une eau, et cette eau devient une eau bénie. Et Allah Azza wa Jal place la baraka dans le peu, et le peu devient beaucoup. Il place la baraka dans l'étroitesse. L'étroitesse devient largesse. Et parfois, Allah, il place la baraka dans une personne. Et cette personne devient une personne bénie. Et c'est ainsi que le Coran nous rappelle ce que Isa alayhi salam disait lorsqu'il était encore dans son berceau. « Waja'alani mubaraka » Que Allah, il m'a rendu béni. Donc nous voyons que la baraka, ce n'est pas la chance. La baraka, c'est une bénédiction venant d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une bénédiction qu'Allah, il place là où il veut et il la place en qui il le veut. Et c'est pourquoi chacun de nous, eh bien, on souhaite cette baraka. Et c'est tout à fait légitime et normal lorsque nous voyons que le meilleur des hommes, les Anbiya alayhim salam, ils faisaient la dua et eux-mêmes ils demandaient à Allah Azza wa Jal la baraka. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait le dua et il demande, il s'adresse à Allah et il dit à Allah, wa barik li fi ma a'tayt. Ô mon Seigneur, accorde-moi la baraka dans ce que tu m'as accordé. Tu m'as accordé quelque chose, maintenant au-delà de ce don que tu m'as fait, eh bien place dans cet élément que tu m'as accordé cette baraka, cette bénédiction particulière venant de ta part. C'est ainsi qu'on raconte qu'un homme, il faisait dua. Il s'adressait à Allah et il s'adressait à Allah en ces termes: Allahumma barik li fi rizqi. Ô Allah, accorde-moi la bénédiction dans ma subsistance. Alors une personne est passée et lui a dit: Lima lam taqul Allahumma arzuqni. Pourquoi tu n'as pas tout simplement dit: Ô Allah, accorde-moi la subsistance? Cet homme répondit alors que Inna Allah dhamina ar-rizqa li kulli hayyin min khalqihi. Allah, il a pris la garantie de la subsistance pour chaque personne de sa création. وَلَكِنِّي أَسْأَلُهُ الْبَرَكَةَ فِي الرِّزْقِ. Mais moi, je ne lui demande pas juste la subsistance, je lui demande la baraka de cette subsistance. Pourquoi? Parce que فَإِنَّ الْبَرَكَةَ هِيَ جُنْدٌ خَفِيٌّ مِّنْ جُنُودِ اللَّهِ. La baraka est une armée discrète parmi les armées d'Allah. يُرْسِلُهَا لِمَنْ يَشَاءَ. C'est une armée discrète, cette baraka, qu'Allah il envoie pour qui il veut. فَإِذَا حَلَّتْ فِي الْمَالِ كَثَّرَتْهُ. Et lorsque cette baraka, elle descend dans une richesse, eh bien, elle la rend en abondance. Elle augmente cette richesse. وَفِي الْوَلَدِ أَصْلَحَتْهُ. Lorsque cette baraka descend dans un enfant, alors Allah rend pieux cet enfant. Et Allah rend bon cet enfant. وَفِي الْجِسْمِ قَوَّتْهُ. Lorsque cette baraka
descend dans un corps, alors cette baraka fortifie ce corps et il rend ce corps plein de santé. Wa fil qalbi as-sa'adatuhu. Que lorsque cette baraka, cette armée discrète d'Allah, descend dans un cœur, alors il emplit ce cœur de bonheur. Et cette personne devient une personne pleine de bonheur. Nous voyons donc que la baraka, c'est une lumière particulière qu'Allah Azza wa Jal, il place dans les différents éléments et il rend ces éléments bénis par ce don de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi que chacun de nous, eh bien, on demande à Allah la baraka. Maintenant, comment, eh bien, on peut obtenir cette baraka? Alors, les savants, ils ont recensé une multitude d'actes qui nous permettent au quotidien d'obtenir cette baraka et cette miséricorde et cette bénédiction particulière de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors, il y en a tellement de ces moyens qui sont recensés qu'on ne pourra pas tous les énumérer ici, mais on va en retenir quelques petites actions très très simples de notre quotidien, que inshallah on a espoir qu'on les pratique peut-être déjà. Dans ce cas, il faut qu'on continue avec constance et istiqama, inshallah. Et si on ne le fait pas encore, alors qu'on le fasse le plus tôt possible, inshallah, et notre vie sera remplie de baraka. Tout d'abord, une action très simple, c'est que chaque jour, nous sortons de chez nous et nous rentrons à la maison. Un des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et un enseignement du Qur'an, c'est que lorsqu'on entre dans la maison, eh bien on entre dans notre maison en faisant le salam. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِكُمْ. Que lorsque vous entrez dans la maison, alors فَسَلِّمُوا. Vous faites le salam en entrant. تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Que votre salam, c'est une salutation pleine de baraka et c'est une salutation qui est agréable. C'est une salutation qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, remplie de baraka. Mubaraka. Donc, lorsqu'on entre dans la maison, une manière d'avoir la baraka dans notre maison, cette action très simple, on fait le salam lorsqu'on entre dans notre maison. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait au jeune compagnon Anas radiallahu anhu et il lui disait: Ya bunayya, ô fiston, idha dakhalta ala ahlik, fasallim. Lorsque tu entres chez toi, auprès des tiens, eh bien, fais le salam. Fais les salutations. Yakun salamuka barakatan alayk wa ala ahli baytik. Ton salam sera une bénédiction, une baraka sur toi et sur les gens de ta maison. Subhanallah. Juste avec salam. Alors, c'est pourquoi cette première action, inshallah, que quand on entre à la maison, eh bien, on fait salam. Et si c'est possible, eh bien, on ne fait pas salam. Non. Le salam, c'est de dire assalamu alaykum. Et mieux encore, on entre, on ouvre la porte avec un sourire et avec de la joie et on dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous, que sa miséricorde soit sur vous et que ses barakat et que ses bénédictions soient sur vous. Et c'est ainsi que cette baraka va se répandre dans cette maison et sur les habitants de cette maison. Première action. Une autre action simple mais pas toujours simple, eh bien, c'est de prendre l'habitude autant que possible et chaque fois que c'est possible, eh bien, de prendre les repas groupés, tout le monde ensemble, en famille. Ça, c'est une action. Le fait de manger ensemble, tout le monde, eh bien, c'est une action qui attire la baraka et la miséricorde et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Dans le célèbre recueil de hadith Abu Daoud, il y a cette narration qui nous rappelle que des gens sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se sont justement plaints du manque de baraka dans leur nourriture. Et ils se sont plaints de tout simplement Adam al-Shiba, c'est-à-dire le fait qu'ils mangent mais ils ne ressentent pas cet effet d'être rassasiés lorsqu'ils mangent. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ » Peut-être que vous prenez le repas séparément.
Et ils ont dit, Naam, c'est vrai, on ne prend pas le repas, toute la famille ensemble, tous les gens de la maison ensemble. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le ordonne alors en disant, Fajtami'un ala ta'amikum, réunissez-vous pour votre repas. Que lorsque vous mangez, eh bien tout le monde passe à table en même temps. Qu'on arrête nos différentes activités pour prendre le repas ensemble. Wadhkuru isma Allah, prenez le nom d'Allah. Bismillah wa barakatillah. On prend le nom d'Allah et on mange au nom d'Allah et avec sa bénédiction. Yubarik lakum fihi. Lorsque vous mangez ensemble, tout le monde, en prenant le nom d'Allah, eh bien Allah, il va vous accorder la baraka dans ce repas. Un enseignement très simple et un moyen magnifique d'obtenir, inshallah, la baraka dans notre repas et dans notre maison. Une autre action également dans notre maison, et elle doit être accomplie quotidiennement, c'est de lire la parole d'Allah dans nos maisons. La lecture du Coran. On ne va pas détailler, mais de se dire que la lecture du Coran dans la maison, eh bien, c'est une action qui emmène la baraka dans notre foyer. C'est une action qui emmène ce qui est positif dans notre foyer et sur les gens de notre maison. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Allah, il dit que ce livre que nous avons révélé, il est plein de bénédictions, il est plein de barakat. Et lorsque vous lisez le Coran plein de bénédictions dans votre maison, eh bien c'est votre maison qui devient pleine de bénédictions. C'est une maison dans laquelle les anges vont venir. C'est une maison de laquelle les shayatines et les mauvaises influences vont partir et disparaître. C'est une maison, tout simplement, qui sera pleine de miséricorde. Donc on prend, inshallah, l'habitude, quelle que soit la quantité qu'on peut, chaque jour, eh bien, de lire le Coran dans nos maisons. C'est important. On fait le salam, on prend les repas ensemble et on lit, chaque membre de la famille lit, inshallah, un peu le Coran dans la maison. Avec cela, et puisqu'on parle de la famille, un élément important, capital, et qui permet d'obtenir une grande baraka dans notre vie, c'est le fait d'accorder de l'importance aux relations familiales. Les liens familiaux, c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui est important. Allah Azza wa Jal, il se lie à celui qui lie les liens familiaux et il fait une coupure et une rupture avec celui qui fait la rupture des liens familiaux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré et il nous a enseigné que man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Dans le hadith de Bukhari, il dit en ce sens, et il nous enseigne en ce sens que lorsqu'on veut qu'il soit fait largesse dans notre subsistance et que notre vie également, dans notre âge, dans notre longévité, il y ait de la baraka, eh bien, que nous fassions preuve de considération pour les liens de la famille, qu'on entretienne tout simplement de bonnes relations familiales, c'est un des meilleurs moyens pour obtenir la baraka. Parfois, on ne le sait pas, mais voilà, cette action d'entretenir les bonnes relations familiales, c'est une grande source de baraka. Alors, on entretient des bonnes relations avec nos proches, parents, enfants, oncles, tantes, grands-parents, les gens de la famille, au sens le plus large, eh bien, on essaye d'avoir cette fraternité, cette solidarité, inshallah, et l'éloignement des crispations, des conflits, etc. Et tout cela est une source de baraka dans nos familles, déjà, et c'est une source de baraka dans notre propre subsistance et dans notre propre corps, dans notre propre vie, dans notre propre longévité, inshallah ta'ala. Ensuite, eh bien, chaque jour, nous avons des actions, nous avons des activités. On travaille, on étudie, on fait des différentes activités et chacun, chaque jour, eh bien, il va qu'à ses occupations. Alors, un moyen magnifique d'obtenir la baraka dans notre journée, eh bien, c'est de commencer notre journée tôt le matin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a fait une dua, d'accord? Et on sait que
les du'as et les invocations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont acceptées. Il a fait une du'a et il s'est adressé à Allah en ces termes: Allahumma barik li ummati. Oh Allah, accorde la baraka à ma umma. C'est très bien, mais il ne s'est pas arrêté juste là. Il n'a pas laissé ce caractère général de cette baraka dans cette formule-là. Il a dit « fi bukuriha ». Il a rajouté « fi bukuriha ». « Oh Allah, accorde la baraka à ma umma, à ma communauté, dans les premiers instants de sa journée. »« Fi awwalin nahar », au début de sa journée. Donc, le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, qui veut obtenir de la baraka dans sa journée, dans son travail, dans son activité, eh bien, il doit débuter son activité quotidienne tôt le matin. S'il y a une baraka de la part d'Allah qui se manifeste à cet instant, mais que le croyant et la croyante sont absents, eh bien, ils ne sont pas déjà en train de vaquer à leurs occupations, eh bien cette baraka, elle est perdue. C'est pourquoi ce hadith, il est rapporté dans Tirmidhi et dans Abu Daoud également. Et le narrateur de ce hadith, Sakhr, radiyallahu anhu, il était lui-même un commerçant. Et il est dit que lui, eh bien, il envoyait les gens qui travaillaient pour lui, pour son commerce, très tôt le matin. Et le hadith, il dit « Fa'athara wa kathura maluhu ». Très rapidement, il s'est enrichi et sa richesse a augmenté. Voilà donc pour nous, chaque jour, tout simplement, un moyen d'obtenir la baraka. Et alhamdoulillah, ceux qui pratiquent déjà cela, eh bien, ils peuvent témoigner de leur expérience, eh bien, de voir qu'une journée commencée très tôt, eh bien, c'est une journée remplie de baraka. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et comment ne leur appartiendrait-il pas lorsque, eh bien, ils bénéficient de cette invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'au moment où d'autres personnes, les gens vont commencer leur journée, lui, il a déjà fait plein de choses, alhamdoulilah. Il a déjà beaucoup avancé dans son travail et il y a eu cette baraka de la part d'Allah azza wa jal. Voilà donc un moyen de débuter notre journée en obtenant la baraka de la part d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, eh bien, on travaille, on va à nos occupations et on obtient des richesses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une source de baraka, c'est lorsque on obtient nos richesses de manière licite. Ce que l'on possède, ce que l'on obtient, ce que l'on prend, eh bien, que cela soit pris bihaqqihi, c'est-à-dire avec son droit, de manière licite. Le hadith de Bukhari dit en ce sens: Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Celui qui prend un bien avec son droit, c'est-à-dire qu'il en fait acquisition de manière licite, alors il y aura une baraka qui lui sera accordée dans ce bien. Et wa man ya'khudhu malan bighayri haqqihi. Et celui qui prend ce bien, qui peut-être s'accapare, qui usurpe un bien sans son droit, donc de manière injuste, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ سُبْحَانَ اللَّهِ. Que l'exemple de cette personne qui prend possession d'un bien de manière illicite, eh bien c'est comme celui qui mange et qui ne se rassasie pas. Bien mal acquis ne profite jamais. Il ne peut pas y avoir de baraka dans quelque chose qui ne nous appartient pas, par exemple, ou qu'on a volé, ou qu'on a acquis avec le mensonge, avec de manière illicite tout simplement. C'est pourquoi mieux vaut le peu licite dans lequel Allah placera sa baraka que le beaucoup illicite duquel la baraka sera enlevée. Et cela ne lui sera pas utile. N'oublions pas que lorsqu'on retournera auprès d'Allah et qu'il nous questionnera à propos de notre richesse, il ne nous demandera pas combien de richesses on aura obtenu. Il demandera « an malihi » Min aynaktasabahu, c'est finalement comment tu l'as eu. C'est pas combien, c'est le comment qui est important. Même s'il est peu, mais il est acquis de manière licite ce bien, alors il y aura la baraka de la part d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait une transaction, on achète, on vend, eh bien, vérité, honnêteté sont les marques du croyant.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que fa'in sadaqa burika lahuma fi bay'ihima. Le vendeur et l'acheteur, de part et d'autre, au cours d'une transaction, s'ils disent la vérité, s'ils sont clairs et transparents, alors il y aura une baraka qui sera placée dans cette transaction. Et chacun va pouvoir constater que cette transaction a été pleine de bénédictions. Que ce qu'il, le vendeur, ce qu'il a vendu, son argent sera, lui sera profitable, sera plein de baraka, et l'acheteur, ce qu'il aura acheté, eh bien, ce bien lui sera également très profitable. Car il y a eu tout simplement la vérité, l'honnêteté qui a accompagné cette transaction. Et si c'est le contraire, eh bien, wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. S'il y a eu tout simplement mensonge, s'il y a eu tromperie, si on a caché des vérités, des défauts, etc., eh bien la baraka de cette transaction sera effacée pour les deux. Ça c'est important. De ne pas se dire que tant, bon, l'essentiel c'est que l'argent est entré dans la caisse. Non, si l'argent est entré dans la caisse, mais que cet argent n'est pas obtenu de manière tout à fait halal, de manière licite, avec les valeurs de vérité et d'honnêteté, alors c'est un argent qui s'est rajouté à notre richesse, et mais c'est un argent sans la baraka. C'est un bien qui ne nous sera pas profitable ni dans la dunya et ni dans l'akhira. C'est pourquoi il est important pour nous, eh bien, toujours de garder à l'esprit que la baraka, eh bien, elle sera avec moi lorsque je serai tout simplement dans la vérité, dans l'honnêteté, et que ce que je possède, eh bien, c'est quelque chose de licite, et là, j'obtiendrai la bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. En réalité, toutes ces actions, alors on va pas continuer à citer encore d'autres actions, il y en a encore tellement, masha'Allah, mais on va conclure et résumer toutes ces actions par un seul mot, c'est la taqwa, c'est-à-dire la piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Nous savons et nous jeûnons en ce moment et on nous a maintes fois rappelé que le but de notre jeûne, c'est la taqwa, c'est la piété et c'est d'avoir cette crainte révérentielle de la part, enfin de cette crainte révérentielle envers Allah Azza wa Jal. Et cette taqwa, c'est le meilleur moyen pour obtenir la baraka dans tous les éléments et dans toutes les facettes de notre vie. Lorsqu'il y a la taqwa dans notre vie, lorsqu'il y a obéissance des ordres d'Allah, lorsqu'il y a éloignement des interdits d'Allah, eh bien c'est le meilleur moyen pour tout simplement avoir la baraka. Avoir la conscience d'Allah nous permettra d'obtenir la bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Le Coran nous dit « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا » Si les gens des cités avaient cru et qu'ils avaient eu la piété et s'ils avaient craint Allah, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Avec la foi et la taqwa, avec le iman et la taqwa, Allah il dit nous leur aurons ouvert toutes les bénédictions des cieux et de la terre. Subhanallah. Les barakas des cieux et de la terre. On peut comprendre comment Allah Azza wa Jal, eh bien, il bénit une personne, il bénit une vie lorsque cette vie est rempli de foi et de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. La taqwa, c'est tout simplement avoir aussi la conscience du regard d'Allah sur nous. Que ce que je fais, eh bien Allah, il me voit, alors je le fais bien. Je vais conclure juste brièvement en nous rappelant ce récit si connu du berger avec Ibn Omar radiallahu anhuma. Que Ibn Omar radiallahu anhuma, il est en train de circuler avec un groupe de personnes, et il voit à l'extérieur de la ville, il y a un berger ordinaire avec son troupeau de chèvres, et il est en train d'amener, et il est avec son troupeau donc au pâturage en quelque sorte, et Ibn Omar radiallahu anhuma, il passe près de ce berger, et Ibn Omar radiallahu anhuma, il va tester l'honnêteté et la foi et la taqwa de ce berger. Et il lui dit, فَهَلْ لَكَ أَن تَبِيعَنَا شَاتًا مِّنْ غَنَمِكَ هَذِهِ فَنُعْطِيَكَ ثَمَنَهَا. Ô berger, est-il possible pour toi, voilà, nous sommes en voyage, nous sommes en train de circuler, nous sommes en train de marcher, et on aurait besoin de quelque chose à manger, serait-il possible que tu nous vendes une chèvre de ton troupeau ici,
et nous t'en paierons le prix, nous t'en donnerons le prix. Alors ce berger, il dit tout simplement, Inna rana musayyidi, que ces animaux ici, que vous voyez, eh bien, ils appartiennent à mon maître. Moi, je ne suis qu'un esclave berger, je ne suis pas le propriétaire de ces animaux. Alors, Ibn Omar radiallahu anhuma, il le teste et il lui dit, tu nous le vends, tu nous la vends cette chèvre, et tu diras tout simplement à ton maître, Akalaha dhibu, que voilà, là où j'étais, eh bien, un loup est arrivé et il a mangé une des chèvres du troupeau. Hein? Comment on dit? Ni vu, ni connu. Subhanallah. C'est vite parlé. Et c'est mal. Et c'est parfois ne juger les gens, hein, sans connaître réellement ce qu'il y a au fond du cœur de chacun. Et quelle est la relation particulière de chaque créature vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Les textes disent que ce berger, lorsqu'il a entendu cette proposition de Ibn Omar radiallahu anhuma, son cœur était illuminé par la taqwa, par la conscience d'Allah. Il est dit dans les textes, Fatawalla ra'i anhu, wa huwa rafi'un isba'ahu ila sama, que ce berger, il s'est retourné de Ibn Omar. Une telle proposition, comment me proposer une telle chose? Il a levé son doigt vers le ciel. Il a levé son doigt vers Allah et il a dit et il s'est adressé à ces gens en leur disant فَأَيْنَ اللَّهُ Subhanallah. Si chacun de nous dans les différentes situations de notre vie on pouvait prononcer cette parole de ce berger ordinaire du désert qui disait à Ibn Omar radiallahu anhuma فَأَيْنَ اللَّهُ et Allah dans tout ça ni vu ni connu de personne ici mais toujours vu et toujours connu de celui qui ne dort jamais et qui ne ferme jamais les yeux. Fa'ayna Allah. Où est Allah dans tout ça? Quelle conscience! Quelle conscience du regard d'Allah sur lui! Quel degré de ihsan d'adorer Allah comme si tu vois Allah, sinon au moins comme si Allah, comme si toi, pardon, sinon comme si Allah, il te voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si toi, tu ne peux pas avoir cette conscience, eh bien, au minimum, la conscience qu'Allah, il te voit. Et ce berger, il dit, eh bien, Allah dans tout ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire une telle chose. Il est dit que Ibn Omar, radiallahu anhuma, cette phrase, et c'est juste ces deux mots, فَأَيْنَ اللَّهُ, où est Allah? Eh bien, ces mots ont percuté, ont touché, l'ont touché au plus profond de lui. Il était tellement content. Qu'a-t-il fait? Ibn Omar, radiallahu anhuma, il va à Madine, il entre à la ville, il va voir le maître de ce berger esclave. Et il dit au maître, je t'achète ton berger. Et je t'achète ton troupeau. Le troupeau que le berger il a avec lui, je t'achète le troupeau également. Ensuite, Ibn Omar radiallahu anhuma, il appelle cet esclave et il lui dit, va, je te rends ta liberté. Et il dit ensuite, et je t'offre ce troupeau en récompense, en plus de cela. Et dans certaines narrations, on trouve ces paroles dans ce sens qu'Ibn Omar radiallahu anhuma, il aurait dit, à ce berger que tu as prononcé une parole en disant Fa'ayna Allah, où est Allah? Tu as témoigné de cette conscience sincère du regard d'Allah sur toi, de cette taqwa, de cette crainte, de cette piété. Eh bien, cette parole t'a libéré, puisque tu es maintenant affranchi, cette parole t'a libéré dans ce dunya. J'ai espoir que c'est une parole qui te libère du feu de l'enfer auprès d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Mes sœurs et frères, la taqwa. Objectif de ce Ramadan et meilleur moyen pour nous d'obtenir dans notre vie la baraka. Les différentes petites actions que l'on a rappelées, Inch'Allah, on essaye de les mettre en pratique et au-delà de cela, eh bien, la crainte d'Allah, la piété, la conscience du regard permanent d'Allah sur chacun et chacune de nous. Et bien sûr, on complète le tout par demander dua parce que rien n'est jamais facile. Hein? Cette baraka, elle se mérite. Elle se demande, et chaque jour, à l'image de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le demandait à Allah, et bien dans nos différentes du'as, et bien dans nos différentes invocations, on demande à Allah en disant « Wa barik li fi ma a'tayt »« Oh Allah, bénis
pour moi ce que tu m'as accordé. Oh Allah, accorde-moi la bénédiction et la baraka dans ma vie, dans mon temps, dans ma richesse, dans ma santé, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes enfants, dans mon conjoint, dans mes parents, dans mon travail, dans mes activités, dans ma relation avec toi, dans chaque chose. Eh bien, oh Allah, fais descendre cette armée discrète qui est la tienne, cette armée qui, lorsqu'elle descend, eh bien, elle change le peu en beaucoup, elle change la petite quantité en grande quantité et elle change l'étroitesse en largesse. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous la baraka dans nos vies. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous permette d'obtenir chaque jour dans les différents éléments de notre vie cette miséricorde et cette bénédiction particulière de la part d'Allah Azza wa Jal qui nous permette durant ces derniers jours et bien d'obtenir la baraka dans notre temps pour profiter au maximum de ces derniers instants, de ces derniers jours et de ces dernières nuits du mois de Ramadan, la baraka dans nos bonnes actions également, inshallah, pour qu'on puisse profiter et inshallah arriver au terme de ce mois avec la satisfaction d'avoir profité du mieux qu'on pouvait de cette générosité de ce mois de Ramadan. Barakallahu fikum fa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.